Bonjour mesdames et messieurs, ici l'on veut voici. J'ai commencé un travail, ça fait le début de la semaine, celui d'informer des gens, d'expliquer Krawan à des journalistes, à des décideurs, à des hommes d'affaires, à tout le monde, pour que vous ayez votre opinion personnelle sur Krawan. Pourquoi? Parce que voilà une compagnie qui a des produits réels, des services réels et qui même aident les pays à se développer. Pourquoi? Je vous montre pourquoi. La raison de mon affirmation, c'est que la compagnie a des produits, des meilleurs produits. Des produits tels que les jeux qui se vendent en ligne, ce n'est pas nouveau. Beaucoup d'entreprises de e-commerce vendent des jeux en ligne depuis de longues années. Elles se font de l'argent. Elles mangent seules, personne ne mange aussi. Elles mangent seules. Krawan permet qu'elles vendent des produits en ligne. Elles te disent, viens m'aider à vendre, tu vas aussi gagner de l'argent. Et là encore, d'autres trouvent que c'est mauvais. La formation. Krawan vend de la formation en ligne. Depuis des années, des entreprises vendent de la formation en ligne. Elles mangent seules. Krawan te dit, viens m'aider, je vais vendre pour ces compagnies-là. Moi, je n'ai pas de produits, mais mes partenaires ont des produits. Il faut venir m'aider, je vais vendre et l'argent, il gagne, je vais te donner aussi. Là encore, c'est un problème pour d'autres personnes. La compagnie dit, les jeux en ligne, Sony, les jeux dématérialisés, les jeux en ligne, Sony, c'est converti dans les jeux dématérialisés, les jeux numériques, les jeux virtuels. Google crée des jeux virtuels. Facebook crée des jeux virtuels. Rien que ces trois entreprises-là se font des milliards de chiffres d'affaires par an dans ces jeux virtuels, elles ne vous donnent rien. Krawan dit, je vais signer des partenariats avec des compagnies qui ont des produits virtuels, vous m'aidez à vendre, je vous donne de l'argent. Là encore, c'est un problème pour certaines personnes. Troisième chose, la compagnie dit, voilà des hôtels, moi je peux t'aider à louer des chambres d'hôtel. Enfin, je vends des chambres d'hôtel pour mes partenaires et si par ton intermédiaire ou bien par vous, je réussis à vendre des chambres d'hôtel pour mes partenaires, je te paye de l'argent. Je vais montrer d'ailleurs sur ce point-là, je vais montrer avant de continuer. Des chambres d'hôtel. Donc, on va aller sur le back-office. On clique sur où les produits sont stockés, c'est ici, c'est store. Tout ça peut venir vous montrer celle-là. Voilà. Donc, le produit d'hôtellerie, tout ça, ce sont des liens d'affiliation. Ça, c'est un lien. Ça, c'est un lien. Ça, c'est un lien d'affiliation. Ça, c'est un lien pour un produit. Ça, c'est un lien. Ça, c'est un lien. Tout ça, ce sont des productions-là. C'est-à-dire que si je clique sur ça, que je vais louer une chambre d'hôtel, que je vais faire d'ailleurs devant vous, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc là, on va me rediriger chez le partenaire maintenant. J'ai cliqué sur le lien. Je serai redirigé chez le partenaire. Vous voyez, non? Là, je suis chez le partenaire. Donc, si je fais des achats ici, hein, si je fais des achats ici, Abidjan, Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, supposons que je décide de rentrer dans une chambre d'hôtel aujourd'hui, non, demain, le 22, pour sortir le 23. Je rentre seul de cette chambre. Je suis passé voyage sur la Côte d'Ivoire et j'ai besoin de dormir dans un hôtel, dans une chambre d'hôtel, pardon. Voilà. Regardez l'hôtel Sofitel, hôtel Ivoire. Tout à l'heure, on a vu, mais bon, on continue. Tous les hôtels de la Côte d'Ivoire sont sur la plateforme. Vous comprenez ça? Et Krawan, auparavant, ces hôtels mangeaient seuls, ne vous donnaient rien. Krawan permet de rester chez vous à la maison, de vendre des chambres d'hôtel, de vous faire de l'argent avec la compagnie. Et des gens vont crier au scandale. OK? Tous ces hôtels, ce sont des hôtels ivoiriens. Tout ce que vous voyez là, Sofitel, ça c'est hôtel Ivoire. Hein, hôtel Ivoire. Vous pouvez y rester ici pour commander une chambre à l'hôtel Ivoire. Et si je te permets de le faire, je gagne l'argent. En quoi est-ce que cela est mauvais? Donc, etc., etc. Hein? Tous les hôtels sont là. On peut aller à l'hôtel Radisson Blue Hotel. Tous ces hôtels-là. Voilà, Radisson Blue. Non, c'est ça, Radisson Blue. Tous ces grands hôtels sont dans le système. Et je peux acheter ça à bon prix d'ailleurs. Parce que je suis de Krawan. Bref. J'ai décidé donc d'éclairer la population africaine surtout.
En faisant quoi? En faisant des conférences chaque, je crois que c'est chaque mardi à 10h et chaque samedi à 10h. Donc aujourd'hui à 10h, le lien de la salle est en dessous. J'ai rendu le lien très simple et là, le call s'écrit très simple. Donc tu cliques sur le lien. La page suivante, on te demandera de mettre un code secret. Le code secret, c'est le nom de notre chaîne qui est Rotralite. D'ailleurs, si tu n'as pas abonné à ma chaîne, il faut t'abonner maintenant. Et qu'est-ce que tu fais? Tous ceux qui ne savent rien de Crowan ou qui disent du n'importe quoi, invite-les dans la salle. Dis-leur qu'il y a un leader qui sait bien expliquer. Viens l'écouter. Et puis, tu poses des questions. On va te répondre clairement. Répondre clairement à tes questions. Parce qu'en fait, l'ignorance fait que les gens parlent. Maintenant, quand je vais t'expliquer, si ce n'est pas de la sorcellerie, et que tu es honnête, on dirait que je ne connaissais pas. Hein. Je viens de savoir, de découvrir le vrai Krawa. Voilà. Et en Côte d'Ivoire, on dit, tu vas prendre drap. Parce que c'est la vérité, que c'est un bon business. Maintenant, quand vous n'en connaissez, vous n'en savez rien, vous parlez. Mais vous n'assistez jamais aux conférences. Viens assister à une conférence et tu vas arrêter de parler. En tout cas, tu vas parler, mais dans le bon sens. Au moins, tu vas dire que, attention, moi-même, j'ai vu les preuves que c'est du réel, que ce n'est pas du pipeau, ce n'est pas du placement d'argent, ce n'est pas du tissu, ce n'est pas de la tontine, ce n'est pas du pyramidal, ce n'est pas du ponzi. D'ailleurs, quand on parle de produits, il n'y a plus de pyramidal. Viens écouter tout à l'heure à 10h, ce samedi à 10h. Viens écouter. Et le mardi prochain, c'est à 10h aussi également, si je ne me trompe pas. OK? Le samedi prochain, c'est à 10h, si je ne me trompe pas. Le programme, bon, je crois que c'est bien ça. De toute façon, le programme est en dessous, il faut voir. OK? Ça est en description de vidéo. Souvent, vous ne voyez pas. Si tu es sur un portable, il y a une petite flèche dans l'angle ici. Clique dessus. La description de la vidéo va se détendre et tu vas voir le programme. Maintenant, comme vous n'arrivez pas à le faire, je vais le mettre aussi en commentaire. Tu vas voir le programme. Et chaque jour, tu verras la liste pour le programme de Crowan, parce qu'il y a d'autres programmes de Crowan. Je forme sur les métiers qui permettent aux gens de se faire de l'argent. Donc moi, s'il y a une science, s'il y a quelque chose qui permet aux gens de se faire de l'argent, j'aide les gens à découvrir ça. Vous comprenez? Et donc, les gens invitent leurs amis aux conférences et puis ils viennent écouter. Vous comprenez? Voilà. Comme ça, il fonctionne. Maintenant, si tu veux t'éclairer, tu as besoin de connaissances pour arrêter de raconter du n'importe quoi, il faut venir écouter à 10h, tu auras les réponses à toutes tes questions sur le sujet Crowan. OK? À tout à l'heure, je t'attends. Il faut aimer la vidéo, il faut partager pour que tous tes amis puissent savoir le vrai Crowan. Maintenant, je le fais aussi pour les journalistes. Ouais, les journalistes, vous écrivez beaucoup, beaucoup là. Voilà. Il faut connaître pour écrire. Quand tu écris, un bon journaliste, quand tu écris, et puis personne ne peut contester ce que tu as dit, ça, tu es un bon journaliste. C'est-à-dire, quand tu écris, la vérité est tellement dans ce que tu as dit que personne ne peut parler. Mais pour ça, il faut connaître d'abord. Il faut venir découvrir Crowan, comme ça, tu vas le critiquer. Mais si tu ne connais pas, tu critiques ceux qui te lisent ton journal. Tu dis, oh, lui n'est pas professionnel et puis c'est honteux pour toi. Tu comprends? C'est honteux. Voilà. Tu veux faire de l'investigation? Viens écouter d'abord et puis tu vas écrire. Tu vas faire des documentaires. Voilà. Là, au moins, on sait que tu sais de quoi tu parles. Mais quand tu fais des documentaires et puis on t'écoute, c'est pas professionnel. Donc, je fais ce travail aussi pour les journalistes. Voilà. Venez écouter. Partager, que ça tombe dans leur même prise d'écoute. Que Lambert Kouassi fait une conférence, Crowan, venez écouter. S'il y a des décideurs dans votre pays aussi, les journalistes sont ceux qui doivent informer les journalistes, les autorités, les dirigeants d'un pays, parce que c'est eux qui doivent informer. Parce qu'eux n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Maintenant, si vous qui êtes journaliste avez le temps, c'est votre travail, que vous déformez les gens, vous les déformez, au lieu de les informer, vous les déformez, là, ça, c'est grave. Donc, comme personne ne fait ce travail, qu'on ne verra pas un bon journaliste faire ce travail, moi, je vais faire ce travail. Voilà. De façon objective. À tout à l'heure, à 10h.